Bergen, je crois, le près de la pire ville dans laquelle circuler en voiture. Je suis enfin arrivé devant le monument de Moscou, le Kremlin. Malheureusement, nous n'avons pas eu accès au Kremlin en lui-même qui était fermé, mais nous avons pu visiter la place rouge après avoir passé déjà une journée entière dehors par un froid extrême. On nous a offert 2 heures pour nous balader sur la place et les alentours afin de profiter de ce paysage assez surréaliste. Vous avez ici la cathédrale Basile le Bienheureux qui est très connue, très réputée pour ses différentes coupoles très colorées et ça surgit dans la nuit de manière vraiment incroyable. Elle aurait été soi-disant construite par un architecte italien, d'où ses couleurs un peu exotiques. Vous avez là la porte de la tour Spasskaya qui était autrefois la porte d'entrée principale vers le Kremlin, qui est derrière ces murs de briques rouges, où se trouve probablement Poutine en train de comploter pour envahir le monde entier. Comme vous le savez, il le fait tous les jours. Au fin fond de la place se trouve le musée d'histoire de la Russie, et à droite, le marché de Noël avec une grande boutique très bourgeoise dans laquelle nous nous sommes réchauffés, et ici, le mausolée de Lénine dont on va se rapprocher prochainement. La place est vraiment très grande et beaucoup plus ouverte que l'on peut le voir durant le défilé du 9 mai. Très bel endroit en tout cas, très très bel endroit, et ça fait vraiment bizarre de la voir en vrai. Et voyez aussi à quel point le ciel est lumineux à cause des lumières de la ville. La ville de Moscou étant, il me semble, plus grand que Paris. À ma gauche, le mausolée de Lénine, où se trouve la momie de Lénine, fermée actuellement, comme vous pouvez le voir. Malheureusement, le musée d'histoire de la Russie, une vue depuis le musée vers la cathédrale. Et là, on le voit, hein, c'est vraiment très très vaste comme place, très impressionnant. Et maintenant, la flamme du soldat inconnu. C'est direction la Wargaming Fest. Heureusement, on a commencé par le petit jeu de tourisme. Maintenant, les choses sérieuses commencent. Je sais pas du tout à quoi ça va ressembler. Alors, ce que je sais, c'est que déjà, quand on m'a dit qu'ils allaient faire leur convention propre au jeu Wargaming au mois de décembre à Moscou, je me suis dit, mais personne ne va y aller. Je vois pas comment c'est possible. Et les tickets ont été intégralement vendus. Il y a déjà de cela une semaine, donc c'est à guichet fermé. Je ne sais pas comment c'est possible, donc il va y avoir probablement pas mal de monde. Je ne sais pas trop ce qu'on va faire, on n'a aucun programme apparemment, donc on va probablement juste tourner en rond comme ça, voir un petit peu, profiter de la chose. Ça devrait être sympa, au moins c'est en intérieur, donc au moins on ne mourra pas de froid, c'est la bonne nouvelle d'aujourd'hui. Même si je ne suis pas trop fan des foules de masse, les conventions, tout ça, j'ai horreur de ça, je les fuis comme la peste. Donc on verra bien, de toute manière il y aura probablement, je crois, une zone VIP pour être un petit peu tranquille, et des tournois avec les grandes teams russes, un shop à mon avis, je vais prendre quelques souvenirs je pense, j'ai pris de l'argent pour m'acheter des souvenirs, et je n'ai rien acheté du tout, je n'ai encore rien acheté parce que je n'ai rien trouvé, donc je sens que je vais finir par acheter quelque chose à l'aéroport, là où ça sera 3 fois plus cher, juste pour me dire que je me ramène un souvenir, mais bon, le fait d'être revenu d'ici, déjà, je suis fatigué, je n'ai pas dormi depuis 3 jours, et déjà quelque chose d'assez incroyable, donc voilà. Je vais continuer de me préparer, mettre les 25 couches de vêtements nécessaires, et puis c'est parti. Allez, allons-y. Возможно, компетент, но пока что есть еще левша и две. Есть слава!
voici à la Wargaming Fest, la grande convention dédiée aux jeux développés et édités par Wargaming. Et la chose qui frappe vraiment, c'est le monde. Vous voyez ici juste la salle du vestiaire, le monde incroyable qu'il y a. Il y avait de nombreuses activités. Ici, on a un simulateur de tank à l'effigie de World of Tanks. Bien évidemment, c'était une salle avec différentes boutiques, différentes activités, des goodies, des jeux, de la technologie numérique à découvrir. C'était assez sympa. Malheureusement, les couloirs n'étaient pas vraiment assez larges par rapport au monde qu'il y avait. On pouvait également être recruté par l'armée russe, chose que je n'ai pas faite, hein. On ne sait jamais. Ça peut mal tourner. Il y avait bien sûr aussi des babes qu'on peut voir à gauche en tenue historique de la Seconde Guerre mondiale, en général les tenues russes ou américaines, quelque chose dans le genre, ce qui a beaucoup plu à mon camarade Koukov que vous voyez juste ici. La boutique où on pouvait acheter les goodies avec une queue immense, une foule immense. Donc malheureusement, je n'ai pas pu m'acheter de goodies dans la boutique. Ce n'était même pas la peine d'y penser. Vraiment, vraiment incroyable et pas assez grande par rapport au nombre de personnes qui étaient présentes. Malheureusement, ici, une activité en lien avec le jeu FPS russe qu'on a vu en présentation juste avant dans la vidéo. Uniforme russe, véhicule russe, le patriotisme, comme on l'aime en Russie. Voilà, c'était vraiment quelque chose, hein. Faut le voir pour le croire. Quelques endroits pour faire des photos sur le porte-avions par exemple. Et là, c'était le stand pour jouer à World of Tanks avec la queue que vous voyez. Donc la queue devant moi, je crois que c'était le quatrième cercle de queue. Donc il y avait quelque chose comme 2 heures, 2 heures et demie de queue pour jouer à un jeu free-to-play que toutes les personnes ici avaient déjà chez eux, mais pour gagner des gold, des t-shirts, ce genre de choses. Une queue vraiment, vraiment incroyable. Moi qui voulais participer, ce n'était même pas la peine d'y penser, d'autant plus que je crois qu'il fallait avoir un compte russe. Et il me semble que j'ai un compte russe, mais je m'en souvenais plus trop, donc du coup, je n'ai pas participé. Il y avait également aussi un petit stand du musée de la Grande Guerre patriotique, la Seconde Guerre mondiale version russe, qui était là, avec une Maxime, quelques reliques, et notamment des fusils de la Seconde Guerre mondiale que l'on pouvait prendre dans nos mains pour faire une jolie photo. Ce que je n'ai pas manqué de faire, bien évidemment, la preuve en image. Et nous avons eu également la visite de Dolph Lundgren, un acteur suédois qui a tourné dans Rocky IV et la série des Expendables. Un acteur très grand et très sympathique qui était le parrain des tanks suédois sur le jeu. Voilà, une célébrité, c'est toujours sympathique. Et bien voilà, je rentre à l'instant de la Wargaming Fest. Ça fait genre 10 heures qu'on y était. Incroyable, vraiment incroyable le monde qu'il y avait. 20, 30 000, 40 000 personnes, je ne saurais pas dire honnêtement, c'est de la hauteur de la Paris Games Week, quelque chose comme ça, mais en un jour, bien sûr, donc c'était peut-être un petit peu moins de monde finalement, mais c'est incroyable, incroyable le nombre de gens qui peuvent venir pour les jeux comme World of Tanks, World of Warships. C'est dire à quel point il y a un engouement important pour ces jeux en Russie, et bon, je le savais déjà, mais faut le voir pour le croire. En France, s'il y avait une convention pour ces jeux-là, il n'y aurait pas autant de monde, c'est sûr. Et non, c'était vraiment impressionnant, il y avait des animations partout, les gens qui venaient jouer pour gagner, il y avait des queues énormes pour jouer à World of Tanks et gagner, je sais pas, des comptes premium, ce genre de choses-là. Et vraiment impressionnant. De mon côté, j'ai fait pas mal de photos, j'ai pris quelques vidéos, j'ai récupéré un t-shirt qui doit être quelque part là-dessous. Attendez, on va voir, hop, striptease non intégré. Déjà, ça va pas faire de mal d'enlever une couverture parce que dès qu'on rentre à l'intérieur, il fait une chaleur accablante à l'occasion des chars suédois. Voilà, il y a un petit t-shirt et un bonnet aussi, je crois. Un truc comme ça, j'ai bataillé toute la journée pour avoir un t-shirt. Croyez-moi, j'ai une pile comme ça de t-shirts de jeux vidéo. À chaque fois que je vais quelque part, j'essaie de récupérer un t-shirt afin de célébrer tout simplement le moment, que je m'en souvienne un peu plus tard. Et d'ailleurs, il y avait le magasin de t-shirts officiel World of Tanks avec une queue énorme. Il était tout petit, dans une toute petite allée, alors que dans un événement comme ça, il faut avoir des grands magasins, enfin des grands shops, quoi. Et donc c'était vraiment tout petit, et bon, je l'avais pas acheté, moi je l'ai eu gratuitement parce que j'étais invité. Quelle chance. Et du coup, bon voilà, c'est terminé. Maintenant, l'événement est terminé, je suis KO, j'ai pas dormi, je suis mort. Et c'est vraiment, vraiment sympa. J'aurais bien aimé rester un jour de plus pour pouvoir visiter la ville tout seul.
tranquillement, mais malheureusement ce n'est pas possible. Donc je vais devoir rentrer demain, taxi à 6h du matin. Ça va être dur. Ça va être très très dur. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé ce vlog. Si je le publie, en tout cas, je ne sais pas trop, ça dépendra du résultat. C'était vraiment une aventure exceptionnelle et j'ai hâte de revenir en Russie. Pourquoi pas à Saint-Pétersbourg, qui m'intéresserait un peu plus que Moscou, qui est vraiment une ville très, très, comment dire, urbaine, un peu moderne et soviétique à la fois, alors que Saint-Pétersbourg, il y a ce côté historique, comme Bordeaux, qui me plaît beaucoup. Et donc j'aimerais bien la voir, d'autant plus qu'il y a des musées à Saint-Pétersbourg qui ont l'air très 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 intéressants. Donc voilà, allez, je vous remercie et je vous dis ciao parce que moi je vais aller me reposer. Allez, au revoir.